Bonjour, bonsoir, dépendamment de à qui l'heure on suivra émission pour la mise au point qui rentre la carte ou peut-être sous tablette auto. Grâce à nouvelle technologie, n'importe côté où vous êtes capable de suivre émission ça, c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour capable brasser l'idée sur tout ça qui a dominé l'actualité. Et aujourd'hui, nous pourrons parler sur un sujet assez important puisque nous pourrons parler de ça qui est pour vous à question avion. Puisque question aviation, c'est un domaine qui est vraiment important, puisque c'est un moyen qui permet que les gens déplacer, sortir dans un pays, allons l'autre, sortir dans une ville, allons l'autre, tout, nous avons gardé l'aspect ça, nous avons gardé l'aspect sécurité, organisation qui est dans la question ça. Et dans ce sens, nous avons recevoir deux techniciens dans l'émission avec nous, qui c'est d'abord Valérie Dupont, qui est président association professionnelle aérienne et haïtien, c'est ça. Comment nous bonjour. C'est un plaisir pour nous capables ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation, Ruben. Nous vraiment apprécié l'invitation. Claude Jean-Baptiste, qui est conseiller à l'association, c'est là. Bonjour, Claude. Bonjour, Ruben. Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices. D'abord, première question, aviation civile. La part de l'aviation civile, qui est capable d'entendre de ça? Aviation civile est différente de l'aviation militaire, premièrement. Okay, parce que nous-mêmes dans l'aviation civile, nous gérons tout ça qui vient, tout ça qui n'a pas rapport avec le militaire. Okay. Nous bien dit. Okay? Mais nous avons un avion commercial, nous avons un avion cargo, nous avons un avion privé. Et tout ça que nous incluons dans ça qui est l'aviation civile. Là. Ok. Donc si nous parlons de l'aéroport, combien d'aéroports en Haïti? Bien deux aéroports internationaux, et Cap Haïtien et Port-au-Prince. L'un des aéroports internationaux, qui est caractéristique, nous sommes capables de déterminer qu'un aéroport est un aéroport international. Bon, pour gagner premièrement service d'immigration, service douanier et toute infrastructure ça, qui est capable de caractériser un aéroport international. Donc, à distanciellement, dès que vous avez deux services, est-ce que automatiquement vous avez international? Bon, parce que parce que nous-mêmes, nous sommes surtout dans la partie technique et contrôle. Donc, il y a un aérodrome. Aérodrome, c'est l'installation. On dit qu'on pisse. Il y a un tour de contrôle, par exemple. Mais il ne doit pas forcément contrôler. Par exemple, il y a une bande d'atterrissage Jérémy ou une bande d'atterrissage Port de Paix qui n'est pas contrôlé. Mais qui c'est des aérodromes que l'avion allait là-dedans chaque jour. Vous avez ajouté. Si vous avez ajouté, un aéroport international, c'est l'État haïtien qui régule normalement. Okay. Mais nous-mêmes, comme contrôle aérien, nous plus dans le domaine contrôle comment un avion atterrit, comment un avion évolue dans l'espace aérien. Okay? Okay. Mais tout ce qui entre dans la caractéristique d'un aéroport international, c'est l'État haïtien, en l'occurrence l'aéroport aérien ou bien l'OFNAC, qui régule les gens de bagage. Patrice, qui est l'OFNAC exactement? L'OFNAC, c'est lui-même qui instance. Et aviation civile en Haïti. Tout ça qui a rapport avec aviation, en ce qui a trait au contrôle aérien, en ce qui a trait aux lignes aériennes, comprenez, tout ça qui t'a supposé gagner un caractère, bon, pas de dire juridique, non, mais un caractère, comment tu as dit ça encore? Bon, en débito, tout ça qui normalement régulé, qui fait régulation aviation civile, là, qui demande de l'OFNAC. C'est terme d'obsession. OFNAC, c'est organe régulateur aviation civile, c'est lui-même qui est autorité compétente qui régule l'aviation. Alors que AAN, c'est partie administrative là. Ok. C'est on a dit différence entre OFNAC et AAN. Oui. Donc OFNAC, il y a tout aéroport sous responsabilité OFNAC, par exemple. Okay. Mais AAN lui-même, il y a un Cap Haïtien qui distingue de l'administration pour le principe, par exemple. Okay. Donc, AAN, c'est à lui-même administration lui-même comme j'ai un aéroport bien spécifique à ce stade. Exactement. Tous les aéroports du pays, ils sont responsabilité de l'autorité aéroportuaire nationale, qui c'est AAN. Oui. Okay? Mais l'OFNAC lui-même, il exploite l'espace aérien haïtien, qui est différent. Tout ça qui a rapport avec l'espace, tout le monde qui a utilisé l'espace aérien, tu mets son ballon dirigeable, tu mets son drone, tout ça qui a exploité l'espace aérien, il est sous législation, bien sous responsabilité de l'OFNAC, alors que AN lui-même est uniquement régulé aéroport. Il y a un bagage qu'on ne peut pas trop bien comprendre, par exemple, on a un espace là, il est facile pour nous délimiter, nous dit de là à là. Mais l'espace aérien,
comment on capable comprendre limiter espace aérien dit bon là espace aérien ça c'est pour Haïti, c'est pour République Dominicaine. Le limiter espace aérien c'est à partir de côte territoriale nous. OK. OK. Donc de distance côte territoriale à une certaine distance, l'on monte en hauteur, on connaît ses limites espace. Okay. Mais et sous comme tu as dit ça à terre, on dit nous avons une série d'équipements au sol qui permettent que des limitations aériennes interprétent le avion lui-même, il a survolé l'espace là. Parce que avec Jean d'appareil ça, c'est appareil ça qui permet que l'avion lui-même il interprète l'imitation d'espace pour le connaître effectivement qui leur est sous tête Port-au-Prince ou bien Haïti, qui leur est sous tête Saint-Domingue. Très bien. En entrant exactement dans le domaine panouan, là nous disons contrôleur, qui s'allie, qui s'allie pour faire. Et fait, on employeur, on employé, mais qu'a fait qui s'allie. Bon, pardon. On contrôle aérien, son monde qui. Bon. C'est ou son technicien d'abord, et c'est ou même qui assure la circulation aéronef dans l'espace aéroport là, et dans et comme d'accord dans le circuit et puis tout gain en route. Alors il y a plusieurs phases dans contrôle là. Il y a contrôle régional, il y a contrôle d'approche, il y a contrôle aérodrome. Et contrôleur aérodrome dans lui-même, c'est lui-même qui est dans tout le contrôle là, qui a et c'est lui-même qui a géré les mouvements qui gagnent à aéronef ou bien véhicule au sol, avion de véhicule qui est au sol, c'est lui-même qui gère ça. Il y a contrôle d'approche là, c'est avion qui est en provenance, alors qu'il vient vers Haïti ou bien qui a pralé vers l'autre côté. Et régional là, c'est avion qui a survolé l'espace et aérien haïtien. Donc il y a trois phases. Donc pour ça, si le cap vient pour Port-au-Prince ou bien pour Port-au-Prince au cas, etc. Oui, exactement. Et nous capable ajouter, si nous avons démystifié le terme contrôle aérien, nous avons pris tant qu'un policier dans la circulation automobile. Oui. Qui campait dans le carrefour, c'est le cap dit qui est ligne qui pour avancer, qui est ligne qui pour camper. Donc un contrôle aérien, c'est un agent de la circulation aérienne qui est là pour assurer. Sauf que c'est pas l'air, justement. L'assurer circulation aérienne de façon sûre et ordonnée. C'est job nous ça comme contrôleur aérien. Mais que comment le faire ça par exemple? Gen monsieur qu'on campé et puis abat ton sémaphore, il a fait si. Moun ça c'est contrôleur aérien. Justement. Il a toujours confond nous avec moun ça. Moun ça non c'est manche chaleur que il y a pas contrôleur aérien. Non, tu vois. Moun ça yo là pour capable diriger un avion vers porte d'embarquement ou bien de débarquement. OK. Ça dépend. Mais yon contrôleur aérien c'est un agent physique qui chita en dans soyon vigie que nous carré utiliser terme comme un tour de contrôle si la paye by service aérodrome là ou bien qui chita en dans un centre de contrôle dans le cas de nous-mêmes en Haïti nous by service en route et approche. Okay. En dans centre de contrôle là parce que cap haïtien actuellement n'est pas fait service d'approche là approche à qui s'allier pour nous capable brièvement pas perdre du temps pour ta souli c'est un intermédiaire entre croisière là et atterrissage là ou bien décollage là. C'est ça nous en train de approche parce que automatiquement quand avion décoller il besoin qui ça il besoin altitude minimale en optimale il besoin vitesse optimale. Okay. Donc le fin décollage là toujours fait dans sens contraire avant de décoller en phase vent. Donc pour avion ça qu'on a pour pas venir mettre le sur route que le besoin pour pointer pour aller vers destination ni nous bien ça relier en départ nous bien ça relier en approche dans ce sens inverse là. Donc service contrôle d'approche là c'est ça le fait de retirer avion hein, depuis notre décollage pour le mettre le sur en route aérienne ou bien si la vienne dans sens contraire là prendre sur route aérienne là pour le capable drainer vers axe final d'atterrissage. J'ai son heure de vol par exemple est-ce qu'il y a un rapport avec contrôleur aérien? Pas vraiment. Parce que depuis un avion arrivé, il y a normalement toujours un service de contrôle. Pas vraiment. Ça qui arrive que l'avion vient, parce que qui ça nous fait, l'heure nous gagnons une série d'avions, nous faisons un tas, nous faisons une séquence d'atterrissage. Donc, ça, il est capable d'entrer dans l'heure d'atterrissage ou bien si l'avion a pas l'heure, on t'a monat. Ça qui vient arriver, l'on a plusieurs avions comme ça qui sont dans ce stack là, pas qu'à prendre tout ensemble pour prendre l'un après l'autre. Donc, par le fait que l'app viré autour de ce stack là pour le perdre du temps, donc ça a affecté normalement le vol là. Par exemple, contrôleur aérien, c'est lui-même qui
cap contrôler est-ce que pas un avion qui en l'air ou l'autre avion qui a frappé avec lui pour faire accident. C'est lui qui est responsable ça tout. Juste pour faire prévention ça tout au sol et en l'air. OK, parce que on capable public à bien comprendre différentes et responsabilités ou bien. C'est responsabilité première. Oui. Éviter abordage entre avions. Parce que nous avons un minimum de séparation. Ça, c'est un terme technique abordage, mais on peut bien dire. Collision. Collision. Ok, on ne va pas frapper ensemble. Justement, c'est responsabilité première, il y a un contrôle aérien, c'est pour lui éviter que deux avions entrent en collision. Donc, de ce fait, il y a toute une série d'outils qui n'ont pas mis pour le travail, ils recevront formation tout pour ça. Bon, ici, en Haïti, comme nous n'avons pas gagné l'aviation civile, mais nous avons cellule de destruction. Si nous avons un prospect la vie, nous avons une formation à Binicio. Qui permettent lui capable d'aller en dans l'exploitation. Et au fur et à mesure, nous conseillons une formation continue, tant en Haïti qu'à l'étranger, que les points qui viennent permettre la formation, ça vient compléter sur une base, pour ne pas exagérer, 5 ans. Okay? Et de ce fait, à partir de là, ils sont contrôleurs qualifiés, côté qu'on est allé, capable de prendre responsabilité de toute sa action que l'a posée en dans ce service-là. C'est un type professionnel ou universitaire? Dans le pays étranger, il y a une université, dans pays étranger, il y a une université, il y a une école d'aviation civile pour aller ou faire 4 ans, nombre de temps, ou sortir avec un diplôme de contrôleur aérien. Mais j'aime ça t'expliquer là, etc. C'est bien dommage, nous ne pouvons pas arriver à un niveau ça. Mais il y a une cellule d'instruction qui fait formation parce que besoin est toujours ressenti en aviation. Donc, par contre, l'école ici qui après nous fait le contrôleur aérien. Non. Non. Comment on y fait? Recrutement au FNAC, on a annoncé recrutement par journal, une nouvelle liste ou bien quel que soit l'autre média écrit. Ensuite, chaque monde qui est intéressé, de par critère, vous voyez CV ou venez dans le FNAC, vous étudiez le dossier, vous pensez qui est capable de venir contrôler l'aérien, vous faites appel avec vous, vous faites passer une série de tests, donc psychotechnique, anglais, médical. Surtout, médical, parce que faut qu'on est stable, mental, physique et mental. Justement, pour capable de faire métier contrôle aérien. Après toute étape, ça, vous allez recevoir ça dans une formation ab initio. Formation ab initio qui va nous permettre de prendre connaissance de ça, les contrôles aériens. Parce que ça qui vient arriver très souvent, généralement, les journalistes ont toujours cherché un job. Et puis, tout bonnement, ils viennent tomber dans le contrôle aérien. Okay. Alors que nous avons une connaissance technique, on arrive dans n'importe quelle école terminale, là, qu'on y a, après études, qui sont à faire, docteur, comptable, agronome. La difficile pour jouer un petit monde qui est à mais vient contrôler aérien. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, qu'on y a, aujourd'hui, à nous arrêter, vulgariser le job ça, pour être capable de sensibiliser plus de monde à venir devenir contrôleur aérien, parce que son métier, un très bel métier, parce que ou pas gain droit à erreur dans le job ça. Oui. Monsieur Jean-Baptiste, sans ça, qui prêt, qui académique, il y a un monde qui gagne pour être capable d'apprendre contrôleur aérien. Bon, il m'a dit, il faut qu'on gagne un diplôme universitaire, premier bagaille, il faut qu'on gagne un niveau. Dans quel domaine spécifique? Non, pas dans un domaine spécifique. Non, il m'a juste dit, il bac plus 4. Parce que le NAPGA des contrôles aériens, physique qui en rapport à lui-même, etc., qui en rapport à lui-même, est-ce que ce n'est pas dans beaucoup plus monde qui est dans le domaine science pure qui t'a peut-être à l'apprendre? Bon, et puis, moi, je suis capable de docteur, et puis, on est ingénieur, et puis, ouais, que docteur a plus d'aptitude pour le contrôleur. Parce que le contrôleur, il n'est pas seulement. Et comme d'accord, tu vas aller ou tu as un contrôleur. Mais il dépend d'un pile d'aptitude parce que son job qui gagne pile pression. Okay. Il gagne pile pression, pile stress. Et chaque jour, son jour différent. Li. Ou pas qu'à imaginer tout scénario possible parce que l'avion a sorti tout côté. Et ou même, faut qu'on capable de gérer tout l'avion ça pour arriver, atterrir et décoller de manière surordonnée et efficace. Et là, il n'y a pas seulement des diplômes, c'est ça qui fait que vous faites cette test psychotechnique. Pour regarder pour voir est-ce que moun nan gen aptitude pour li capable vinn contrôleur et après ça ou gen anglais parce que langue aviation c'est anglais tout moun que le pilote que le contrôleur dans tout pays c'est en anglais et que nous communiquer donc m ka di deuxième bagage là c'est anglais. OK, naturellement nous pas nous di en Haïti pas gen mais qui bon à l'apprendre yo vinn faire instructeur vinn faire formation pour nous en Haïti ou bien nous déplacer aller à l'étranger. Bon, ça c'est à discrétion de l'administration. Promotion pas maintenant tu es allé République Dominicaine. OK. Pour non même promotion non? Non. Et vous même bien
pratiquement plus de 15 ans depuis que j'ai fait job ça. Même si j'ai reçu ma formation à Binicio ici en Haïti pendant près de 7 mois. Ensuite, nous avons participé dans plusieurs cours qui étaient faits tant aux États-Unis, au Canada, dans l'autre pays encore, même au Pérou, en Amérique du Sud. Là. Donc ça dépend de Jean-Claude Tapessé, faire comprendre d'eux et sa administration lui-même l'a cherché. Donc, vous êtes né Claude dans le domaine là? Bien sûr que oui. De 11 ans. De 11 ans. Il y a 4 ans. 4 ans dans le domaine là. Eh bien, ok. Et alors, dans ce sens-là, si yon moun ni même il a besoin, il a souhaité pour être capable d'encourager l'autre jeune qui a fini dans l'université, qui fait un diplôme universitaire, qui t'a vu le contrôleur ou même, qui ça pour faire? Premièrement, c'est yon jeune, il faut toujours mettre dans la tête que le métier contrôleur aérien, c'est pas un métier qui est facile, mais qui est très belle. Parce que si je me songe bien, c'est le troisième ou quatrième métier qui en jeune depuis stress calme. Métier de contrôle aérien. Donc, il faut que l'incitation s'arrête si mon ami bien vérifier pour qu'on ait exactement ce salaire. À partir de là, il a toujours fait contact avec l'Office national de l'aviation civile, ou FNAC, pour être capable de connaître qui le cap bien recrutement, parce que c'est sous base ça que l'OFNAC lui-même lui prend le monde pour venir travailler dans le domaine. Okay. Donc, c'est quand besoin fait ressenti et que lui entame un processus de recrutement. J'aime cette explication là, nous pas gagné, ça a eu une école d'aviation civile pour année après année, nous avons une série de promotions qui a sorti. Donc, les gars mettent en contact avec l'Office national de l'aviation civile pour être capable de connaître qui le cap bien prochain recrutement et comme ça, les capables d'appliquer. Et le fait que nous avons l'école d'aviation civile, c'est un manque à gagner. Oui, un manque à gagner. Quelque part, oui. Nous quittons ça au niveau de l'État. Oui. Donc, à ce moment-là, Mouna n'est pas obligé à travailler dans le système lui-même pour qu'il vienne contrôler aérien. Il est capable interne, il est capable externe. Oui, moi-même, moi, j'étais banquier. Okay. Moi, j'étais banquier, moi, j'étais juste un ami qui dit bon et qu'il a recruté Mouna pour contrôler l'aéronautique, mais par contre, qui salte, il a juste appliqué. Et il y aurait les mal interviewé puis me dit bon, bah qu'on est juste une talle et Saint-Domingue, République Dominicaine, tout le Mali, mais pour qu'on n'a qui ça me tape en banquier. C'est le et à une couille, tout le bagage, ça y est, que moi je viens de connaître, n'a qui ça me tape en banquier. Chercher la vie. Parce que c'est pas. Oui, c'est ça me dit. Donc, parce que je dis à nous seulement 47. Okay. Et Cap Haïtien et Port-au-Prince, 47 contrôleurs actifs. Effectif là, est-ce que n'est pas trop petit non? Très peu. Très peu. Mais par rapport à deux mondes là, parce qu'on a uniquement deux aéroports internationaux. Si l'on regarde Saint-Domingue qui gagne 9 aéroports internationaux, il y a près de 300 contrôleurs. Il y a près de 300. Mais ça, à ce moment-là, il est capable de venir un incidence au horaire de travail en monde. Puisque il y a dans l'espace de travail là, un effectif réduit par rapport à une forte demande. Parce qu'on a si on travaille 8 heures de temps, des fois on travaille 10 ou 12 heures de temps, non? C'est exactement, oui, ça dit à l'effet en plus, c'est nous qu'on est joué ça, effectivement. Tout pendant le tremblement de terre là, surtout, nous avons un effectif très réduit. Parce que il était difficile pour être capable de faire jouer le contrôle aérien. Et effectif que nous avons à l'époque là, qui était environ quarantaine, on leur réduit jusqu'à 17 contrôleurs. Nous avons compté 17 contrôleurs pour tout le territoire national là. Heureusement, et l'administration qui était venue, lui-même était well nécessité pour te faire recrutement, qu'on est à Novin au nombre de 47 contrôleurs pour tout le pays. Mais là où est effectif la réduction comme ça, le problème qu'on essaie de faire monter, c'est exactement ça lié. Nous avons un problème de overtime, en pile mon travail en heure supplémentaire, comprenez? Donc, et qui vient faire que nous avons besoin, là où est tout overtime dans les montées comme ça, c'est là ça a incité l'administration lui-même pour être capable d'engendrer le processus de recrutement de façon à ce qu'on puisse baisser l'heure de travail. Parce que leur contrôle de travail avec un niveau de concentration élevé, et il n'y a pas de droit à l'erreur tout pendant le chiffre de travail. Donc, il est beaucoup mieux que nous ayons plusieurs monde, nous ayons toute une équipe qui a fait chiffre là. Et puis nous faisons et travaillons par permutation, par relève, tout et tout, de façon à ce que contrôler un chiffre là, il n'est pas exténué, vous comprenez, à l'aise pour le rendement, pour la performance qu'il attend de lui. Tout le monde a 2-4 expériences que vous avez, qui plus gros problème ou rencontré dans le cadre de travail ou contrôle, surtout des cas qui arrivent de catastrophes naturelles, quand il y a mauvais temps, avion pas qu'à voler, ou peut-être si on prend raison politique, si c'est situation politique, etc. Des fois, avion qu'on décide, avion pas voler pour raison politique, etc. Qui plus gros événement ou vivre ou même dans termes de gestion aérien comme contrôleur. Bon, et malheureusement, pas une chance de aller quitter vivre. Bon, pas de son chance, mais
mais il était challenging parce que le et parce que tout est dans la navigation, tout bagaille, toute infrastructure était pour et frappe dans ces ici. Donc où tu vienne non seulement effectif dans tes réduits, mais tu as travaillé tout à des conditions exceptionnelles. Moi-même, je n'ai pas vécu comme ça. Mais la plus grosse expérience que je fais, c'était pendant Mathieu. Parce que tu as un pile aide qui te vidi, un pile hélicoptère, tu as un pile bateau, et un pile mouvement, un pile activité. Et là, tu as un limando pour alerte, limando pour alerte, pour shop. Et ou bien gain de jour ou vini ou travail et cadence là anti gens et comme ta dit cadence là pas et certaines fois pas dans même niveau pas dans même niveau gain l'anti gens et puis se chauffer plus bas. Mais Mathieu et il fait 2 heures de temps sous fréquence là, ou fait 2 heures de temps ou a parler. Vous faites 2 heures de temps alerte, obligé à alerte, parce que l'avion a sorti de tous côtés, ce n'est pas tout le reporter, parce que c'est avion militaire qui a porté aide à droite à gauche. Moi-même, c'était plus belle et challenge que je vive pendant et petit temps que je gagne en offre. La communication sale est faite entre, par exemple, à différents aéroports. Et avec qui entité communication ça fait par exemple? Là, sous bord là, on communique avec qui est-ce? Non, et radio. C'est qui est-ce? Et pilote, yo. On communique avec pilote, yo. Oui. On communique en même temps tout avec l'autre aéroport à l'étranger. Non, par exemple, moi, non. C'est ça. Et moi-même, moi, son contrôleur d'approche. Okay. Moi, qualifié pour approche. Donc, et moi, là, pour avion cap décoller, Jean-Valéry Soudilan, avion cap atterri. Moi, mené au piste sous piste là, et puis moi, météo, dans niveau pour yo prendre et niveau de croisière, yo. Là, arrivé dans niveau de croisière, yo, moi, transféré le bail contrôle régional. Contrôle régional lui-même, c'est lui-même qui fait coordination, lui qui fait relais avec centre adjacent, yo. Parce que, et nous gagnons Nord-Ouest, nous gagnons États-Unis, et nous gagnons Ouest, nous gagnons Cuba, Sud-Ouest, nous gagnons Jamaïque, à l'Est, nous gagnons République Dominicaine. Donc, qui ça nous, qui ça gagne, il y a des protocoles qui fait entre centre adjacent et nous-mêmes. Donc, et, ou même on fait relais avec centre adjacent, ou dit bon, mais m'a boté l'avion à tel niveau, et à telle heure, ou même en fonction du trafic, ou est-ce que vous avez capable à l'heure ça à tel niveau. Quand il y a un centre adjacent, il y a un capable, et même si centre adjacent lui-même l'a fait relais pour le bon avion, tout, c'est même Jean Lirilo, nous avons nous gagnons de paramètres. Alors de. Oui, dans un protocole d'accord là qui dit qui j'en pour le bon avion, hein, et dans quel laps de temps, tout bagaille ça. Quand on est d'approcher et tout, non? Moi-même, moi, j'ai une chance de faire tout. Parce que quand il y a une formation, on n'a pas fait comme ça encore. Nous sommes contrôleurs en route, nous sommes contrôleurs approche, nous sommes contrôleurs aérodrome. Okay. Donc, nous avons tous les trois formations réunies. Mais avec effectif plus ou moins large que nous avons aujourd'hui, nous avons peut-être le luxe de former une équipe seulement en approche et aérodrome, on l'autre équipe seulement en route. Différence au niveau de l'aérodrome dans lui-même. Aérodrome, c'est lui-même, c'est le monde qui chita. Par contre, peut-être qu'on va descendre en tour de contrôle. Les surmontés, il est bien haut et puis il est vite, il est dans son tête en aéroport. Généralement, c'est là que contrôle aérodrome dans chita. Okay. Le même qui ça l'a pour faire, il est responsable, ça va l'air de trafic et l'air de manœuvre. Contrôleur d'aérodrome. Donc, l'air de trafic, ce sont des termes techniques encore pour me démystifier. Avion sorti dans le guet là, et pilote là, tout le monde à bord, il a besoin de déplacer. Premièrement, qui ça le fait, il demande autorisation pour mettre le moteur en marche. Bah, l'autorisation, hein. Quand il met le moteur en marche, il y a une série de machines qui poussent les feedback ou bien s'il était capable lui-même. Il demande qu'on a autorisation pour lui allier une sous-piste pour le décoller. Comme contrôleur d'aérodrome qui sont faits pour garder sans vent, nous avons une série de appareils en dehors de contrôle là, qui permettent de connaître l'orientation vent. Nous mettons l'avion allié une sous-piste en face vent. Ça, c'est contrôlé à l'aérodrome. Pendant ce temps, qui s'est fait, coordination a fait avec départ là. Vous dites que dans 10 minutes, je vais gagner un avion qui a décollé, qui a besoin d'aller sur telle route, qui m'a de telle altitude. Qui sont cabalés. Aérodrome, dépendamment, excusez-moi, approche là, dépendamment du trafic qu'on a gagné, parce que c'est lui-même qui peut faire rouler un décollage là avec route que l'avion va aller pointer pour aller sur destination. Il dit ok, il a besoin de telle altitude, il n'y a pas qu'à monter tout ça, bali temps initialement, ensuite m'a fait reste là. Contre l'aérodrome, il copie, il a une autorisation pour le décoller.
avion suivre tout ça au balai comme procédure de décollage pour le capable rejoindre route li les monter à altitude que contrôleur aérodrome balai en attendant et puis on l'a fait avec approche que car il est départ dans sens contraire là départ là qu'on a s'il gagne notre avion qui a venu pour venir atterrir il y a assuré séparation entre eux jusqu'à ce que avion clio qu'on a pour monter les mettre les balai en route. En route là c'est instance qui uniquement fait survol. Tout avion qui a survolé l'espace aérien haïtien dit rester dans l'espace en route là, qui c'est centre de contrôle régional pour Port-au-Prince Haïti. Mais ça veut dire qu'il y a une série de limites. Il y a une limite latérale, il y a une hauteur, il y a toute qualité. Donc automatiquement que un avion passe les limites, il vient sous contrôle. C'est sûr qu'au décollage, à un certain moment, que l'avion a fini par passer une limite, ça a entré dans l'espace. Et centre de contrôle régional là, qu'on est allé par ce contrôle en route. C'est en route là qu'on est qui prend avion, qui prend le balai, altitude et vitesse de croisière. Parce que tout ça avion besoin, j'en ai expliqué au début, là, le décoller, l'a cherché une altitude de croisière avec une vitesse de croisière. Optimale. Optimal. C'est pas maximum, c'est optimal. Automatiquement que l'IFI n'est pas joigné, centre de contrôle régional là, qu'on est qui ça le fait. Avion s'il peut aller au nord, il connaît le prochain espace que le point entrer, c'est espace Miami. Donc, coordination qui est faite avec Miami, relé Miami dit ok, il y a un avion qui a traversé la frontière là à telle heure, il a monté à telle altitude. Le ça qui contrôle l'aérien qui fait coordination avec Miami. Là, nous avons dans le centre de contrôle là. Là, nous avons un contrôleur en route. Contrôleur en route là, c'est les mêmes qui fait coordination. Justement. Oui. Mais pour me démystifier un petit peu, contrôleur là, normalement, le chita là fait trafic là, oui, il y a un assistant bon côté qui fait genre de coordination ça pour lui. Parce que c'est une équipe, j'aime bien expliquer là que nous travaillons. Contrôleur là, lui-même, là, après toute requête, toute doléance avion. On l'a PC manage trafic là de façon à ce que le cas assuré lui ordonné de façon ordonnée et sûre surtout and then assistant lui-même il fait toute coordination automatiquement que Miami dit ok tel le avion a venu la traverser frontière là la partie à l'altitude nous qu'après nous mettre bon maintenant altitude ça et voilà qu'on est à contrôleur là lui-même il baille avion hein, altitude de croisière que tu souhaitais à jusqu'à ce que l'arrivée la donne il maintenir pour le capable continuer jusqu'à ce que l'il puisse atterrir et là lui venir espace pour l'atterrir processus inverse encore par le coup commence à partir de nous capable dire contrôle dans le pays juste va nous passer même étape encore pour l'atterrir okay, parce que dès que l'arrivée dans espace aérien l'autre pays il va se contrôler encore négatif. Automatiquement par exemple c'est Miami prend oui, ça en charge il fait en route li jusqu'à limite contrôle approche là contrôle approche apprendre il fait contrôle il met le sous axe final pour et contrôle aérodrome là et puis contrôle aérodrome là fait atterrissage li ensuite qu'on est à la ligne gate c'est alors que nous gagnons les fameux marche chaleur qui assuré qui dirigeait avion vers porte et débarquement donc dans même espace là est-ce que c'est dans même espace là ni contrôle approche là ni contrôle aérodrome ni contrôle en route là ni tous les trois travaillent dans même espace ou bien chaque cabine de travail par eux actuellement Port-au-Prince et aérodrome avec et approche combinée. Okay. Donc contrôleur approche et aérodrome, il y a tout le contrôle là et qui n'a aéroport là. Okay. Et contrôleur et région et centre et région d'approche et de contrôle régional, contrôleur régional là même il dans building au Fnac là. OK. Ou même comme contrôleur d'approche, soit parler avec un aviateur non pas soit parler avant au cas où c'est stable, c'est instable vous faire comme psychologique avant. Parce que quand il y a une question, la question théoriste que nous connaissons, n'est qu'à prendre avion et puis détourner avion. Est-ce que ou même on peut détecter, est-ce que mon normal n'a pas les avant? Et on va parler comment? Est-ce que si mon avion urgence ou non contrôleur d'approche ou communiquer avec aviateur, mon cas piloter avion, d'accord pour dire est-ce qu'il met entrer sous sol, est-ce qu'il doit atterrir, etc. C'est ça ou faire comme contrôleur d'approche ou parler avec lui? Oui, ou parler avec lui. Est-ce que dans la communication, par exemple, si c'est un monde qui est mentalement instable, psychologiquement a un problème, est-ce que il y a un petit détail qui a foiré ça? Dans le domaine aviation. La partie médicale est tellement stricte que ça t'a étonné pour un pilote avec un problème psychologique qui est passé. Bien tout ça t'a étonné. Non, mais nous connaissons le cas de attentat qui fait dans notre pays. Côté que nous avons pris un avion et puis les Français nous rendent sur le centre, par exemple, ça t'est arrivé là. Oui, mon exemple. Pilote. Ou bien, c'est un cas qui est arrivé, c'est un pilote, il a un problème dans la famille, à madame, et puis là.
l'aller avec avion avec tout le monde. Ça, 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 ça c'est des cas exceptionnels. Mais ou même ou pas capable vraiment détecter et comme dans cas là et santé mentale moun nan sous fréquence là. Okay. Parce que là moun nan relo li dit Port-au-Prince en dis américain li dit et Port-au-Prince et américain moi dans semaine moi dans tel point nan et nous pas parler de TMA et côté où il est à fait là, il dit pilote l'en relé me dit que li tel côté li nan tel point. À partir de tel point moi-même bien route qui tracé pour lui faire approche lui pour lui commencer descente lui pour lui atterrir donc ça n'a fait à l'issue tout technique m'a pas vraiment beaucoup bon temps pour m'étudier pilote là surtout que m'a parlé avec l'autre pilote l'autre avion parce que généralement coup psychologie vous fait pour nous même c'est pour étudier état santé mentale panne et non pour apprendre nous comment étudier état santé mentale mais il arrive que avion par exemple il y a un hijack qui est arrivé, qu'on y a qui ça qui connaît le bon c'est le code que pilote là qui a utilisé sans que le pas même quitter hijacker à comprendre et puis nous même depuis nous le code ça nous interpréter nous connaît qui problème qui gagne dans niveau avion. Donc ensemble contre le aérien nous regroupons nous association c'est ça. Oui bien sûr. Qui crée qui le? Association a été créée en 2001 avec le président Dalola et nous te rejoignons une fédération internationale l'année prochaine. Ok. IFATCA. Donc mission association c'est qui mission nous l'association? Hein? Bon mission de cadre c'est gérer et intérêt et membio parce que Jean-Valéry Sodil là nous association par nous les membres et on association mère qui regroupe toute association contrôleur et de par le monde donc nous même nous gérer intérêt personnel contrôleur mais nous pas un syndicat nous pas un syndicat pour vous parler nous pas un syndicat. D'accord, quel genre d'activité que nous réalisons dans l'association? Dans l'association, surtout pour contrôler, nous essayons de mettre en plus sur place une série d'activités. D'accord, nous avons organisé pour faire contrôler 20 octobre. Généralement, 20 octobre, c'est journée internationale contre l'aérien. Tout comme l'année dernière, nous avons organisé un bel gala. Bel gala à l'hôtel Marriott. Ensuite, une activité que nous avons organisée récemment, c'était un camp plein. Nous étions avec l'administration Lofnac, nous étions sur web comment on sait le contrôleur capable d'acquérir véhicule neuf parce que vous travaillez alors qu'on est. C'est comme ça et heureusement Lofnac n'était pas nos supports du tout, il était fait chemin avec nous. Et dernière organisation, dernier ça nous réalisé dernièrement, c'est conférence régionale. IFATCA, la cinquième conférence régionale IFATCA que nous hébergeons ici en Haïti dans le Royal de Cameroun du 29 au 31 octobre. Quand il y a plusieurs contrôleurs aériens qui sont sortis dans l'autre pays. De 15 pays qui étaient dans la région. Parce que IFATCA qui ça le fait, IFATCA regroupe association. Donc c'est un regroupement d'associations IFATCA international. Mais il y a deux réunions par année, il y a une réunion régionale côté que chaque continent fait réunion par eux. Ensuite, il y a une conférence internationale côté tout le monde aller dans un seul pays pour participer. 35e nous sommes hébergés dernièrement, c'était un régional culté, donc c'était les pays de l'Amérique du Nord, du Sud, Caraïbes, tout et tout. Nous étions chita pour essayer de garder ensemble les problématiques, comprendre les défis, comment nous capables de joindre nous ensemble, problèmes, apprendre de problèmes l'autre, etc., etc. De façon à ce que nous sommes capables de valoriser le métier contrôle aérien. Qui ça nous tire de 35e conférence, Jean-Baptiste, qui sont réalisés? Bon. Nous même comme contrôleur aérien haïtien. Bon, le on a conférence, l'on conférence comme ça tout le monde a dit mais qui situation pa yo, mais qui ça a vive parce que li gan pile débat qui fait. Donc le comme ça ouais que gan pile problème qui similaire dans l'autre pays. Et le comme ça, yo dit bon, mais qui jeune des jeunes solutions, mais qui ça nous te fait. Donc ce qui sont à apprendre surtout c'est ou même qui gens pour consolider son gain ou bien qui gens que ou bon problème que ou pas capable et jeune solution depuis des années et puis ou même ou capable avec et support moun sa yo avec et concertation nous fait avec l'autre association yo ou vinn capable et joindre yon et j'aime ta ka di ou joindre yon sortie en porte de sortie n'importe de sortie son métier qui touche bien bon. Parce que là, mon gardien en job, il va aller en job quand même. Mon job qui salaire à plus ou moins de 100 000 salaire en descend. Pas de plein. Mon cher, jusqu'à présent, dans la zone Amérique, c'est nous toucher plus bas. Ouais, bien ça. Bien tout. Pour nous tous, nous faisons le même travail.
Donc nous tout cap font même travail et que nous mêmes c'est nous mêmes bon. Avec dépréciation pour de la tout ça jouer en pile sur ça. Mais si nous entrer dans échelle nationale là, OK, nous ca dit que pas ça. Mais si nous prenons un cadre international, c'est pratiquement rien du tout. Il y a un message à différents jeunes qui ont suivi l'émission ça et qui peut-être pas gain trop de détails sur que son métier contrôleur aérien, comment nous capable motiver jeunes aujourd'hui hein, pour que capable intéresser plus à métier ça. Nta souhaiter que yon jeune jeunes aujourd'hui qui a regardé l'émission hein, qui ta comprendre que métier contrôleur aérien c'est plus bel métier qui existe. Pas dire parce que nous sommes contrôleurs mais parce que c'est une vérité. Ça fait ça parce que l'on comprend que un pilote lui-même il connaît existence avion là mais pour le connaître si un avion en l'air si un avion en bas pour joindre directive par rapport à déplacement lui c'est ou même comme contrôleur aérien qui pour guider qui dans quelle que soit direction que veut bouger elle pas va bouger sans que pas gain autorisation comme contrôleur aérien. De ce fait, qui vient faire métier contrôleur aérien son métier que ou pas qu'à faire ouais là donc c'est pas tant qu'un comptable ou bien un informaticien qui fait un plan qui programmer puis quand il fait backspace qui utilise un gomme non le métier ça ou pas gain droit aller ouais. C'est ça qui fait d'inciter tout le monde tout jeune normalement jeune aujourd'hui à venir contrôleur aérien pour venir expérimenter qui ça crée les contrôleurs aériens beau métier ça qui manquait vulgarisé dans la société haïtienne. Dans ce sens il y a deux aspects fondamentaux pour capable encourager un jeune c'est dans garder lui d'abord si n'a pas les aspects pas doit faire et les forme personnellement comme individu et puis aspect l'argent. Ça dit Jean-Baptiste. Bon, Jean-Valix au Dylan et l'idée salaire en descend. Salaire en descend. Mais si n'a regardé par exemple que li utile peut là prendre former pour que ou battre tout on l'aime pour pas faire et en vie et puis ou petit pays en même temps tout. Ou petit pays tout et li bon discipline. Li bon discipline dans vie ou dans tout ça à faire. Parce que la vie moun sou kontou. Parce que le, on dit on avion gen 150 moun, ou ap jere 30 avions, ou est 500 pile moun. Vous comprenez? Et son métier prestigieux même. Vous comprenez? Pour pilote là, il faut confiance. Et ou même, ou gen vice moun sa ou nan men ou, et. Donc chaque fois entre la cause c'est soit ouf de soulagement sauvé puis chaque l'on quitter fréquence là ou après aller ou pas faire incident tout bas était bien passé c'est surtout l'on pilote du good job sous fréquence là ou bien ou la caillou content. C'est un plaisir de recevoir Claude Jean-Baptiste. Merci, moi-même tout. Monsieur Dupont, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Ruben. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons recevoir deux techniciens dans le domaine de l'aviation. D'abord, c'est Monsieur Valérie Dupont, qui est président de l'association professionnelle contrôleur aérien haïtien. Et puis, il est ensemble avec les conseillers de l'association, qui est Claude Jean-Baptiste. Et bien, avec eux deux, nous avons parlé d'un sujet assez important. Et nous passer et nous courir en même temps. Tout. Même qui t'a suivi l'émission ça ou t'y rappel de ça que vous partagez ensemble avec nous. Bonjour à tout le monde, sur t'a suivi en direct. Bon après-midi ou bonne soirée. C'est ça votre diffusion. Bye.